Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le guide e-sport de la semaine. S'il y a bien une arme qui a fait polémique lors de sa sortie la première fois, c'est le quadrilanceur, un bazooka capable de tirer 4 roquettes à une vitesse folle. Bonne ou mauvaise nouvelle, sachez qu'une mise à jour vient tout juste de se terminer sur Fortnite et qu'elle rapporte avec elle un nouveau quadrilanceur venant remplacer le premier disparu. Dans cette vidéo, nous allons découvrir cette nouvelle arme exotique. Rassurez-vous, ce quadrilanceur à rafale est une arme exotique. Il n'y a donc qu'un seul moyen de se la procurer, c'est de l'acheter à un PNJ contre de l'or. Pour ce qui est du prix, il est de 600 gold, ce qui est juste assez élevé pour ne pas en voir dans les inventaires de tous les joueurs. Deuxième chose, tous les PNJ de la carte ne vendent pas ce quadrilanceur à rafale. Seul un le vend et il se trouve dans la partie nord de l'île, plus précisément dans le restaurant de Craddy Cliffs, qui se trouve lui-même dans la partie nord de la ville. Concernant cette nouvelle arme, il n'y a pas de réelle nouveauté. Vous l'aurez compris à travers son nom, c'est un nouveau lance-roquettes capable de tirer 4 roquettes en un seul chargeur. Chaque roquette inflige 42 de dégâts au joueur dans la zone d'impact. Contrairement aux lance-roquettes traditionnels, les dégâts par roquette ne paraissent pas immenses. C'est parce que ce quadrilanceur à rafale a la possibilité d'en lancer plusieurs en moins d'une seconde. Attention en revanche, comptez plus de 5 secondes pour recharger l'arme. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode de The Weekly Tips.